5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.micodupasteurbobo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteurbobo.tv. Diaspora congolaise a été secouée par des scandales des âmes de Dieu à travers le monde. C'est ainsi le premier vice-président de la pastorale de Belgique, connu pour sa fermeté contre le désordre dans l'Église, a présidé le 8e marathon évangélique 2013, organisé par l'Église Feu de l'Éternel de Bruxelles le 7 et le 8 décembre, avec comme thème « Personne ne t'a-t-il condamné ? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dans sa prédication, l'homme de Dieu, le pasteur Alain Bossenguet, a insisté sur la repentance et le sérieux dans l'œuvre de Dieu. Plusieurs autres hommes de Dieu étaient présents et la soirée a été agrémentée par la musique des frères Bouta Kamoka et le patriarche Tambwe Tich. Que Dieu me dise amen. Amen. Non, ton amen est timide. Amen. Je te comprends que ton amen est timide parce que les choses que je suis en train de dire, ce sont les choses qui choquent les gens ou qui font mal. Vous savez, quand quelqu'un fait une bêtise, il aime que les gens lui donnent les éloges, mais il n'aime pas que les gens lui disent la bêtise qu'il a faite. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes en train de voir nos églises ne grandissent pas.
Nous avons des problèmes dans nos églises. Parce que d'abord, les chrétiens qui sont en train de fréquenter nos églises sont des gens qui ne sont pas sérieux. Comment veux-tu inviter quelqu'un à venir à l'église si toi-même ta vie n'est pas sérieuse? Comment veux-tu gagner un âme si toi-même tu marches dans le péché? Comment veux-tu voir la gloire des cieux? Il faut que toi-même, tu sois l'auteur compositeur de ce que tu dis aux gens. Mesdames et messieurs, le Seigneur, quand tu déclares être un enfant de Dieu, il faut que les gens trouvent au-dedans de toi que tu as la semence divine et tu as la semence de Dieu. Écoute-moi te dire une chose. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Quand quelqu'un commence à marcher avec Dieu correctement, tous les blocages vont commencer à les fuir un par un. Écoutons les réactions de certains participants. Ma réaction est positive en tout cas. Nous avons été bénis par la main de l'Éternel. Là où la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours des miracles de Dieu. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le thème qui a été donné. Que le Seigneur ne nous condamne pas, mais il veut que nous puissions aller de ne plus pécher. C'est vraiment le message du temps. Et que le Seigneur est en train de nous dire, depuis beaucoup de temps et jusqu'à la fin, de marcher dans la sanctification, d'abandonner les péchés et d'être droit devant le Seigneur. Afin que les condamnations qui subsistaient encore pour nous, depuis des temps anciens, que cela puisse être effacé. Je bénis le Seigneur aussi pour les services. Vraiment, les œuvres du diable sont tombées. Et je rends gloire au Seigneur pour cette église. Je sais que la main de l'Éternel se manifestera encore davantage. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur, le pasteur Alain Bossengué. Et que toute l'équipe, vraiment, la campagne a été vraiment magnifique. Je suis très content. Quand Dieu réunit ses enfants, c'est pour bénir, c'est pour donner un message. Le message est clair. Que les hommes abandonnent le mal. Je suis très content et flatté pour ce thème. Et je crois que chacun de nous aille sa part et nous allons suivre la route de Dieu, de la sanctification, de la crainte. Toute personne qui doit écouter ce message, qui arrive à prendre la décision de conduire sa vie sans péché. C'est le message que je peux donner au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Une équipe bien, il y avait l'ambiance et... Pour moi, parce que là, c'est un gars courageux. Il a organisé un moyen pour la crise économique. Mais à tout moment, on est pour l'évangile. Le transport, la bûche, le logement, tout. Vraiment, que Dieu nous bénisse parce que j'ai investi vraiment dans mes amis. La joie était là. Et c'était bien. L'éducation sur. C'est la repentance, c'est ça, la prédication morale. Mais vraiment, l'église a besoin de ce genre de prédication. En tout cas, l'impression, on a eu deux journées en marathon. En assistant à ma marathon, Banda, pour assister à ma marathon évangélique, en tout cas, on a séparé dans ma casse. Pour ma cambouto, qui a vraiment. Et puis il y a le patrimoine, comment rebaigner le patrimoine Alain Bossengué. Donc, Makamoko plus qu'important. Voilà. Pression dans les alliés, il y a malam mouvement.
Surtout. Oui, n'ayoka batté à mille côtés. Mais tant que vous parlez sur la repentance, vous sentez que c'est vraiment un homme intègre. Or, bah, homme intègre, tout ça, n'a pas de repas. Voilà. Non, bon, mon réaction, c'est simple, juste pour dire merci. Merci à tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, vraiment, qui ont réussi de leur présence dans cette 8e édition du Marathon évangélique. Comme je suis en train de dire, il est grand temps, nous remettons les pendules. La vie des hommes de Dieu et des enfants de Dieu doit être une vie de sanctification. C'est pour cela qu'on a plus parlé sur le péché, que les gens abandonnent le péché, car toute condamnation est liée au péché. Merci. Merci beaucoup. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteurbobo.tv.